que nous avons le privilège de présenter maintenant est juste sous mes pieds ici. C'est une petite plante, mais avec beaucoup d'estime autour. Hein. Il s'agit de Physalis angulata. Alors cette plante, on la retrouve un tout petit peu dans toute la zone intertropicale. Hein. On l'a signalée en Amérique tropicale, mais aussi en Afrique, entre les tropiques, on trouve couramment. Et comme c'est une plante, disons, nitrophile, c'est-à-dire qui aime beaucoup les endroits où il y a de l'azote, eh bien, quand on va la retrouver sur un terrain plus ou moins, disons, vierge, on peut en déduire tout de suite qu'il y a pas mal d'azote sur ce terrain. Azote qui peut être apporté soit artificiellement, soit par la présence de nombreuses plantes de la famille des légumineuses. Et en l'occurrence, lorsqu'on met un champ nouvellement en culture, il est fort probable que eh bien, cette plante-là pousse également. Alors, Physalis angulata, vous pouvez voir ici, est une plante herbacée. Bon, ce pied que je tiens ici, c'est un peu couché, mais quand on regarde, disons, la plante dressée elle-même, hein, la hauteur peut aller jusqu'à combien? Nous avons mesuré pour celui-là, depuis le sol, hein, ça va jusqu'à environ, on voit ici combien, jusqu'à 1 mètre, hein, 1 mètre environ, hein, là, sur ma règle. Et 1 mètre 20, quoi. Alors, ce pied est un peu couché parce que l'endroit où il pousse est, disons, assez humide. On est dans un jardin irrigué ici, donc il a poussé spontanément. Et c'est intéressant de voir comment se présente la tige. On voit sur le fond, il y a un teint plutôt verdâtre, un teint verdâtre avec du gris plus ou moins foncé sur les angles. Et on peut voir que le tronc est quadrangulé en fait. On voit les angles, en surélévation c'est très net, aussi bien sur les jeunes tiges que sur les tiges un peu plus âgées. On le voit là. Et si on prend cette tige, parce que ça ne va pas être beaucoup plus gros que ça, hein, si on prend cette tige un peu âgée, on voit que la largeur, hein, disons, la largeur du tronc même fait dans les, combien, 12 mm quoi. Hein, 12 à 15 mm au maximum. Maintenant, considérons les feuilles. Là, je regarde ce jeune rameau. Là, bon, ne regardons pas les fruits d'abord, hein, on va en parler tout à l'heure. Mais on voit que c'est des feuilles simples. Voici une feuille ici, voici une feuille là, une autre feuille là. Et que c'est des feuilles dentées, portées par un long pétiole. Pour cette feuille pleinement développée, par exemple, on peut voir la longueur du pétiole, hein, qui porte la partie papier même de la feuille. Et là, un long pétiole de 55 mm, c'est-à-dire 5,5 cm. Pour les jeunes feuilles, ça peut être plus petit, hein, mais c'est quand même assez long, 2 cm aussi pour celui-là. Quand on regarde la feuille elle-même, là, la forme est plutôt ovale, hein, c'est-à-dire qu'à la base, dans le tiers inférieur, c'est plutôt élargi. Et vers le haut, c'est un peu rétréci, à la manière de l'œuf. Hein. Et quand on regarde à la lumière du soleil, un peu inclinée, on voit une légère pubescence quand même en haut, même si certaines littératures ont donné la feuille pour glabre. Hein. Il y a une légère pubescence en partie supérieure, d'ailleurs on le sent sous les doigts. Et à la partie inférieure, la feuille est couleur, disons, verdâtre, un peu plus claire que la partie supérieure, un peu plus sombre. Les nervures, on le regarde, les nervures sont, disons, comme imprimées, hein, en profondeur sur la face supérieure, tandis que ça ressort en relief sur la face inférieure. Et en inférieur, il est plus facile de compter les nervures secondaires, on va le compter par paire, même si ce n'est pas nécessairement opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire 6 à 7 paires de nervures secondaires. Et la largeur de la partie limbe, la longueur plutôt de la partie limbe même, c'est jusqu'à 8 cm pour cette feuille pleinement développée, et sur une largeur de combien? Jusqu'à 5 cm. Et on voit donc la bordure qui est découpée en dents, nous avons dit tout à l'heure, elle est dentée. Et donc, c'est des feuilles simples qui sont disposées là, sur cette tige. Pour les jeunes plants, on voit, c'est vraiment verdâtre. Hein. Et c'est assez intéressant à remarquer. Sous les doigts, on sent nettement les angles qui
qui forme la partie tige, quoi. Alors, avec le développement de la plante, pour montrer ce qui va se passer, nous avons choisi ce jeune pied là. Et alors, il y a des boutons de fleurs qui vont apparaître. Là, c'est très visible, de façon axillaire, c'est à l'aisselle des feuilles. Et aussi à l'extrémité des rameaux feuillés, hein. On les voit là, portés par des pédoncules de, disons, combien? Disons, pour celui-là, hein, jusqu'à 1 cm de long. Voici le bouton de fleur qui est là, là, carrément. Et on voit à la base, donc, le calice, hein, qui est formé par les éléments de sépales et de couleur vert violacé, avec, je pense qu'on peut les compter, hein, par leur les têtes couronnées, là, on peut voir, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc, 5 éléments de sépales contre 5 éléments, on peut les voir aussi, contre 5 éléments de pétales. Les pétales vont être de couleur jaune, hein, couleur jaunâtre. C'est pas bien développé ici, mais on le voit ici, ça s'est ouvert déjà ici. Hein. Même si c'est pas séparé, on voit les 5 lobes là, qui entourent, donc cette enveloppe va entourer, hein, ça va entourer les étamines. Et quand on ouvre à l'intérieur, on voit, il y a une bonne dizaine, hein, une bonne dizaine d'étamines qui elles-mêmes entourent le pistil qui est au milieu et qui est l'organe femelle donc. Et quand tout ça va être fécondé, ça va donner naissance justement. Ça va donner naissance à ces fruits que vous voyez là, qui sont une sorte de ballon. Hein. D'ailleurs, on l'appelle parfois plante lanterne, hein, cette plante-là. Oui, cela n'est pas étonnant quand on regarde la forme même de cette enveloppe, qui n'est pas le fruit même en tant que tel. Hein. Le fruit est à l'intérieur. Ça semble être une sorte de lanterne, hein, avec des éléments anguleux, d'une manière, enfin, comme c'est des nerfs, comme des nervures, hein, qui sont, on peut le compter, hein, disons, là, on en a deux, on en a trois ici, trois là, trois là, trois là. Donc il y en a 12 au total. Et ça donne cette forme de lanterne. C'est pour ça qu'on l'appelle plante lanterne. Et monter sur ce pédoncule qui est de 2 cm environ, hein, de long. Voilà, pédoncule qui atteint 2 cm. Et en fait, cette enveloppe bourrée d'air, si on sépare, on voit à l'intérieur maintenant un fruit, une baie ovoïde, hein, une sorte de sphère qui a une dimension, un diamètre, disons 8 mm, parfois jusqu'à 1 cm. Et c'est à l'intérieur vraiment qu'on trouve les graines. Mais nous n'avons pas donné les dimensions de la partie lanterne, l'enveloppe externe. Hein, la hauteur l'a fait 3 cm, aussi une largeur d'environ 2 cm. Maintenant, si on prend la plante qui se trouve à l'intérieur, disons le fruit, on peut prendre, hein, et casser. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Et là, d'abord, il y a un liquide qui sort. Et à l'intérieur, quand on ouvre, on va trouver de nombreuses graines, hein, peut-être une centaine, une cinquantaine, une centaine de nombreuses graines. Hein, on voit les fruits, les anciens fruits là qui sont tombés par terre, et cette enveloppe est jaunâtre. La partie lanterne est jaunâtre, donc quand on casse, également on voit le fruit qui est à l'intérieur, qui est dans cette enveloppe jaunâtre, nombreuses graines à l'intérieur. Hein, voilà. Et donc ce sont ces petites graines qui, récupérées ou bien retombées au sol, vont assurer la reproduction de la plante. Mais nous avons tout intérêt à garder cette plante dans notre biodiversité parce qu'elle a des applications, même si elles ne sont pas en termes de nombre absolu très nombreuses, portent sur des choses très très délicates. Par exemple, on a avancé dans l'utilisation en médecine phytothérapique, on a avancé son efficacité contre les calculs de tout genre. Hein, et ça, on va lister à la fin. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une plante qui est très belle, qui pousse facilement dans les jardins. Et nous avons dit que c'est très bon indicateur aussi de la présence d'azote dans un endroit. Donc quand on voit ça, on sait que le sol, il est a priori riche en azote, peut-être de manière artificielle, mais peut-être aussi parce qu'on a placé, on voit pousser de manière spontanée des plantes du genre légumineuses qui fixent l'azote et passent l'azote dans le sol en fait. Hein, les plantes de la famille du haricot, il y en a plein.
Nous avons vu dans cette série même, par exemple, Cassia Toa ou bien Cassia occidentalis, toutes ces plantes qu'on trouve dans notre environnement. Alors, il est bon de les reconnaître et de les préserver, sachant que c'est des plantes utiles dont notre vie à nous-mêmes, notre survie, notre longévité dépend. Alors, on va donner, bien entendu, un peu plus loin, hein, les applications que les phytothérapeutes font de cette plante. Mais en attendant, peut-être on va donner quelques noms locaux, hein, dans les langues locales. Alors, en langue locale, le Physalis angulata est appelé, par exemple, au Burkina Faso, par les Dula, ou au Mali, par les Bambara, ou les Malinké, ou même en Guinée, par les Malinké, Kalia dirini. Alors, Kalia faisant allusion aux douleurs au niveau des reins, quoi. C'est pour ça qu'on a avancé que c'est beaucoup, que c'est très efficace contre les calculs en tout genre. Alors, toujours au Burkina, les Moré, les Mossi vont l'appeler, en langue Moré donc, Warpak Benda. Et quand on part maintenant en Guinée, les Poulards ou les Peuls vont l'appeler Pompom Diga ou Pompom Diga. Alors les Guersés de là-bas, de la Guinée, vont l'appeler Keawolo. Au Togo, en Nadja, ils vont l'appeler Yehouin. Et en Ewe, ils vont dire Gwatu ou bien Gwato. Maintenant, côté de la Côte d'Ivoire, dans la langue par exemple des Malinké de là-bas, certains vont l'appeler Fakokolo. En Gouro, en Côte d'Ivoire, ils vont dire Nounoundin. Tandis que si on part, disons, côté Bénin, en Nadja, ils vont l'appeler Gbantou. Et en Bariba, Péonga. Péonga. En Fon, ils vont l'appeler Gbatou Gbatou. Tandis qu'en Mina, ils vont l'appeler Gbantroti Gbanto, ou bien Gbantwe. Alors voici, hein, c'est quelques noms que nous avons tirés comme ça de la littérature, quelques noms locaux concernant cette merveilleuse plante qu'est Physalis angulata.